Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou, je vous dis salut. Donc en fait, je vous explique ce qui se passe, c'est que, oh non, il fait déjà nuit. Oh, bon, on va aller se coucher, je vous explique. Salut, et comme vous voyez, j'ai enfin un nouveau micro, donc quelle bonne chose. Et j'ai aussi j'ai une flèche dans la main, j'ai jamais compris. Ah d'accord, je la tiens. Mais pourquoi je tiens une flèche dans la main? J'ai pas compris pourquoi je tenais une flèche dans la main, bon. Nawak. Je n'ai pas. J'avais ça et quand j'ai quitté, j'avais ça, mais je comprenais pas que c'était ça. Donc on s'est quitté à ce moment-là où je vous disais voilà que j'avais posé tout ça en game mode parce que j'avais pas envie de me casser le cul pour les lumières. Le reste, je vais le faire honnêtement, correctement, sans tricher. Et comme vous avez remarqué, oui, et oui, c'est comme vous l'avez compris, la qualité de son est revenue plus correcte. Je me suis acheté un nouveau casque MSI dans la cinquantaine d'euros pour le gaming. C'est la marque H991 pour ceux qui le recherchent. J'ai acheté ça à Cora, donc ça doit être trouvable à Cora et MediaMarkt, etc. Et sur Amazon peut-être aussi. Et c'est en plus c'est un très beau casque. Et quand vous aimez bien les furies et tout ça, donc les dragons sont dans les furies bien sûr, ils sont le bienvenu et ils sont dedans. Eh ben, vous avez un joli dragon chinois en symbole, c'est le paradis pour un furien. Donc moi je suis au bonheur. De plus que ça offre une qualité de son pas dégueu. Après c'est pas un casque qui est fait forcément pour écouter de la musique, mais sincèrement il peut remplacer temporairement, à mon avis, un casque audio. Enfin c'est pas un casque audiophile donc je présume. Mais après moi j'ai jamais eu des casques audio pour la musique, donc j'en sais rien. Mais en tout cas pour moi c'est un des meilleurs casques que j'ai pour la musique. Donc je sais. Par exemple, mes écouteurs d'Apple font mieux, bien sûr. Mes écouteurs à AirPods qu'on a avec l'iPhone 7 ou l'iPhone 10 ou 8 ou 9, enfin, ou 10, il n'y a pas de 9, c'est ce que je dirais. Mais vous avez compris, après, vous avez des AirPods, machin. Et ben moi, c'est la qualité maximum que je connais en termes de son et je ne connais pas de qualité supérieure que celle-là. Donc ici, sincèrement, c'est bien sûr avec ce casque, c'est un peu plus bas, mais ça, il s'en sort pas mal, quoi. Sincèrement, il s'en sort vraiment super bien. Et surtout, comme vous avez remarqué, oui, je sais, il y a toujours le souci du son, vous avez toujours le bourdonnement. Ça, soyez patient, ça va s'enlever. Je vais l'enlever, ce son-là, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas du tout. Il va être enlevé ce son-là directement, rapidement. C'est juste qu'il faut. Enfin, directement, je veux dire, il sera enlevé quand j'aurai acheté la semaine prochaine. Je vais. Ah, si tout va bien, j'ai prévu d'acheter. C'est un truc qui coûte 11 euros sur le store. C'est un séparateur de terre audio pour filtrer les bourdonnements que vous entendez en ce moment même. Après, c'est surtout pendant qu'il y a des blancs, en fait, qu'on l'entend le plus. Par exemple, dans Animal Crossing, quand vous êtes dans le jeu, comme il y a de la musique et tout ça, on l'entend presque plus du tout, mais quasiment plus du tout, le bourdonnement. Donc ça gêne pas autant que ça, donc ça va. C'est pas non plus. Et je m'en souviens, Biloulette avait le même problème à l'époque. Donc voilà, c'est pas un truc qui va non plus tuer. Ça va quoi, c'est pas la mort, comme on dit. C'est correct pour ce que c'est. Donc ici, du coup, on va passer par là. Je vais aussi acheter une nouvelle clé USB 32 Go. Acheter sûrement autre chose aussi En fait, j'aimerais bien que mon laveur média soit autonome. Donc, je suis obligé d'encore par la suite, plus tard. Et ça, c'est pour le mois prochain qui suit, à mon avis, ou plus beaucoup plus tard, pas pour tout de suite. C'est d'acheter un truc pour. En fait, je vous explique, il me faudrait un bazar pour pouvoir me connecter à Internet avec laveur média. Parce que laveur média que j'ai, je rappelle, c'est le Game Capture HD2. Donc, tu peux te connecter
sur le web avec et partager sur YouTube. C'est comme une application, en fait, c'est comme la version, c'est comme la Nintendo Switch. Si vous voulez, que c'est comme la Nintendo Switch, en fait, ce qui se passe quand vous vous connectez, ben, ça demande un code, en fait, quand vous allez dans partager tout ça pour configurer pour la première fois, ça demande juste un code et vous devez aller dans youtube.com activat, là vous connaissez, slash barre oblique de, donc c'est plutôt barre oblique activat, et vous, et ça vous donne un code, enfin non, ça vous montre un endroit où vous pouvez mettre un code. Et en fait, c'est à ça que ça sert, en fait. C'est pour mettre un code dans le jeu. Tout simplement. Et c'est en fait ça que je vais faire. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez un peu ce que j'ai prévu de faire. Je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Je suis très beau gosse. Alors, j'ai l'air con avec mon katana. Ce pack de textures est génial. Ah, mais en tout cas, je suis heureux. J'ai vérifié la qualité du son de cet appareil. Waouh, bluffant. Pour une cinquantaine d'euros, c'est très. C'est, on en a pour son argent. Après, je sais que c'est, ça n'avait pas été un truc de taré pour le son. Enfin, pour la musique. Donc un audiophile, il dirait que c'est de la merde. Mais c'est pas de la merde, c'est juste que c'est pas un casque qui est fait pour, la, pour écouter de la musique. Moi, il me suffit pour écouter de la musique, sincèrement, il fait le taf. Mais c'est vrai que c'est encore mieux avec... En fait, moi, c'est juste que je suis plus... je suis très basse, en fait. Et j'ai vu sur le net, à MediaMarkt, ils vendent, en effet, des casques... De double basse extra basse, pardon, à 50 euros aussi encore. Et ben, je vais sûrement en acheter un pour là, ce sera pour mes musiques, parce que comme j'aime bien les boum boum boum, j'aime bien les baffes, ben voilà, ça va m'arranger. Après, je sais que ça peut être détériorant pour, c'est quoi ce bordel. Mais oh, depuis tantôt j'essaie de mettre ce stack là, mais il veut pas. Pardon, j'étais parti en couille. C'est parce que je suis beaucoup couille. Non, je sais pas. Voilà, hop. J'aime bien dire de la merde, comme vous avez compris. Abonnez-vous rien que pour ça, ce mec a trop de talent, il dit de la merde. Mais vous avez bien la merde, non? Vous êtes des gosses. Non, j'ai comme bien assez pourri. C'est pas gentil. On va te donner une jolie fessée. Je vais voir les fesses toutes rouges. Vilain petit ou que tu es. Mon petit coquillou. Ouais, voilà. Non, plus sérieusement. What the fuck? Attends, tu veux que je me pète la gueule, c'est ça? Ça doit être ça. Bon, on va aller récupérer cette merde. C'est un peu trop tard, trop tard. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Bon, après, personnellement... J'ai une table de craft ici, donc pour ça, je vais pas me casser le cul. Donc, ça n'a servi à rien d'avoir été là-bas. Génial! Je suis trop content. J'ai utilisé de la pierre pour rien. Parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller là-bas, tout simplement. Donc, on va aller... je sais pas, en fait, où on pourrait aller. En bas, peut-être, voir ce qu'il y a. En tout cas, je m'en souviens de la dernière fois que j'ai été en bas.
et pas que j'ai mis bas. Ah ah ah, qu'est-ce que je suis rigolo, abonnez-vous. Ce mec, je suis un mec talentueux, mais avec tellement de carourisme. Je suis fan de moi. J'aime bien dire de la merde. Pas facile à viser. Hop. Ah merde. Et après je fais comment? Ouf. Oui, bravo, t'es un génie, toi, on te l'a dit déjà. Ouais, je sais, on me l'a souvent dit que j'étais un génie depuis des années. On m'a dit, oh là là, ce Mister Wu, quel génie! Cet homme a vraiment beaucoup de talent, mais quel génie! Cet homme me fait retourner mon slip dans plusieurs sens à la fois. Ouf, ça m'excite. Voilà, voilà. Et j'arrive à refaire la même erreur. Putain, il fait noir. Oula. Oh. Putain, fait chier. Non, j'étais bien mis. J'aurais dû rester comme ça, éventuellement. Alors, ce qu'on va poser... En fait, ma première vidéo que j'ai fait avec ce casque, j'ai mis le casque à l'envers. Donc du coup le son entendait bien, on entendait correctement malgré tout. Chier. On va suffire. Heureusement que je peux faire ça à l'infini. Hein. Parce que là sinon ce serait casse-couille. Bon après en même temps c'est normal que je fais que c'est facile parce que si je devrais commencer à faire des... comme les pro-gamers et tout ça, surtout que je suis pas regardé hein, si je fais des vidéos, c'est pour le plaisir, c'est pas pour me torturer. C'est surtout que cette vidéo, ce mode là, en fait cette zone là, je voulais la partager depuis longtemps en fait. Et je me dis c'est bien de vous partager un peu cet endroit parce que je trouve que le principe c'est une sorte de Minecraft.jar. J'avais suivi des épisodes de trucs à l'époque avec machin là. Oui, c'est très compréhensible tout ce que je dis là. Waouh, quel génie de la compréhension. Abonnez-vous quoi, bordel de merde. Non, plus sérieusement. J'avais suivi les aventures de ces personnes-là pour... J'arrête pas de pailler. Attendez, je fais pas n'importe quoi. Hop. Profiter de cette belle voix médiatique. Ceci ne veut rien dire. Surtout que je suis pas assez connu, j'ai pas assez de monde pour me suivre pour dire que je suis connu. Je voudrais être connu, mais bon, je sais pas comment on fait. Peut-être lancer des saucisses grillées à tout le monde. Peut-être que les gens vont être contents. Un ou avec des saucisses grillées. Qui veut des saucisses grillées? Wow. What the fuck?
Qu'est-ce qui se passe? Non! On est où? Cool! J'ai des œufs de cochon. Ça va servir. Alors cette zone-ci, je peux peut-être l'utiliser pour la plantation, donc je vais pas poser les œufs ici. Mais en tout cas, j'ai une cage pour faire spawner des cochons. Pourquoi pas. Techniquement, c'est un peu comique. Je pourrais mettre ça ici en fait. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Bon après j'hésite de mettre des... que peut-être que je vais récupérer et je vais mettre un générateur de wouhou coquin. Est-ce que déjà... non, pioche en bois c'est non. Je pourrais pas récupérer un avis comme ça. Mais peut-être que mettre plutôt des wouhou coquins dedans. J'aime bien les wouhou coquinous. Je vais blader des wouhou coquins à la place. Des wouhou qui... des wouhou tout doux. Des wouhou... Je veux ça moi, je veux des wouhou. Je veux des wouhou. Je veux des wouhou. Je verrai si je crève de faim alors qu'on est en easy. Hein. Ben à ce moment-là, à mon avis, je vais peut-être faire ce qu'il faut. Oui, comme vous avez compris, je suis vraiment une fainéasse. Je suis un wouhou coquin. Allez, ce qu'on va faire comme test, c'est faire ça des combats. Après, je ferai une vidéo de ça. Je sais pas du tout à combien on est. Je me pose la question. Le problème c'est que j'ai pas vraiment de time up. C'est un peu chaud de savoir où on est. Mais je pense qu'on va stopper ici. Donc en tout cas, comme vous avez vu, la qualité audio est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus représentable, beaucoup plus qualitatif. Le seul problème encore, c'est ce souci de bourdonnement. Et dès que ça sera réglé, ce sera bon pour le son. Et la, enfin, pour le micro plutôt. Et la prochaine fois, ce sera pour la connexion. Et comme ça, je pourrai faire tout, absolument à 100%, tout sur la VerMedia sans devoir à chaque fois mettre sur mon PC et uploader via mon PC. Parce que ici, en fait, c'est la seule dernière chose que je dois faire. C'est que en fait je dois du coup éjecter ma clé USB. Bon, il n'y a pas de problème, je peux l'éjecter maintenant puisque j'ai la télécommande en question. Mais je veux dire, c'est si le jour où j'ai plus de mon PC meurt, ben, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je voudrais que Staver Media soit autonome. Comme ça, je peux l'utiliser à 100% autonome sans devoir à chaque fois me casser la tête à faire. Enfin, vous avez compris quoi. Donc, une prochaine vidéo, bon pour vous ça va être jeudi prochaine, pour moi ça va être un suivi, où je vais faire une petite vidéo de 15-10 minutes de gameplay en ligne sur iPixel ou Pixel machin truc, pour tester, pour le plaisir, juste comme ça. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wouhou, et portez-vous bien, bande de trucs coquinous. Bande de wouhou.